Les économies en mois de décembre, c'est pas facile à faire. Hein. Ouais, bah là, ça a même été un peu une arnaque. Ah, oui, faut bien payer Noël. Hein, ça, bah ouais, c'est clair. Vous avez les cadeaux qu'on vous offre? Ah, bah c'est. Quoi, ils ont payé comment? Bien cher. Bah déjà, Cédric, t'es plus payé. Bah, c'est comme ça que ça marche. C'est à ton tour. Alors, le conseil pas cher de ce matin, Romano, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va. Je vais faire payer les gens pour l'éclairage de Noël dans les rues. Mm-hmm. Je vais dire aux gens que cette année, c'est la crise. Il faut que tout le monde participe pour payer la note d'électricité. C'est vrai que ça doit consommer ces merdes. Exactement, ah bah, Manon. C'est bien, tu fais bien d'y penser. C'est bizarre qu'un maire n'y ait pas pensé à ta place. Oh, ça doit bien t'intégrer dans les impôts, oui, un truc comme ça. Oui, ça m'étonnerait que ça soit gratuit. Je pense même aussi. Une taxe exceptionnelle, peut-être, non? Eh ben voilà, eh ben, ce matin, je vais mettre ça en place auprès des familles. Allez, c'est parti, c'est les premiers conseils pas chers. Il est 6h08 sur Skyrock. C'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Eh oui. Alors, les conseils pas chers. On appelle des familles, t'as des familles, c'est ouais. Allez, les conseils pas chers de Noël. Les conseils pas chers de Noël. Tu fais payer les guirlandes aujourd'hui. Alors, les guirlandes. Moi j'ai Pierre. Et les décorations. Pourquoi tu dis allô, toi? Parce que ça n'a pas sonné, Cédric. Ah mais j'ai cru. Ah. Ça y est. Là ça sonne. On espère qu'il va répondre, Pierre. Ça sonne chez Pierre. Bonne chance, Romano, les conseils pas chers. Allô? Oui, bonjour, c'est Pierre. Oui. Oui, bonjour, service de la mairie à l'appareil. Vous savez, l'éclairage pour Noël. Oui. Vous avez vu les guirlandes qu'on a mis? Oui. Ça vous plaît? C'est joli? Non, on l'a pas vu, non, on n'est pas sorti encore. Ah ben, il va falloir sortir parce qu'on a fait toutes des décorations cette année. Oui, t'es pas sorti depuis combien de temps? Allô? Allez. Bah, allô, oui, à Pierre. Bientôt. Non, bah attends, reste un peu, Pierre. Excuse-moi, Romano, c'est il faut payer 20 euros là. Comment? Il faut payer 20 euros pour l'électricité, pour les lumières de la ville, c'est la crise. Mais non, non. Ah bah si, y a pas le choix. Hein. Non, non, y a pas le choix, c'est pas grave. Ah bah je passe à la maison tout de suite. Non, non, on n'est pas là. Ah si, si, t'es là, tu on dis. On répond pas de toute façon. Bah, de toute façon, Pierre, il faut sortir, je te ferai faire un tour dans la rue. Non, on répond pas. Allez, tu vas pas rester hiberné jusqu'au mois d'avril. Non, mais pas du tout, tout ce qui est plaisanterie. Ah bah c'est pas une plaisanterie. Non, mais c'est... ça nous plaît pas trop. Ouais, bah ça, je m'en fous. Moi, Pierre, il sort pas de chez lui. Non, non, je m'en prie. Allez, donne les 20 balles. Au revoir. Allez, j'entends ta femme derrière. Non, il veut 20 balles, non? Oui, il veut 20 balles. Il veut 20 balles. Bah, il a bien compris que je voulais 20 balles. Mais il veut pas te les donner rapide, ouais. Pierre, peut-être. Allez. Bah oui, il y avait la femme de Pierre qui est en pleine forme à 6 ah, ouais. ce matin. Vous avez vu ça un peu? Oui. La femme de Pierre, déchaînée derrière. A plus répondre, allô Pierre. Si. Ouais, Pierre. Non, écoutez, adressez-vous à la gendarmerie. Ah bah non, mais c'est à vous de payer, monsieur. Les gendarmes ont payé leur part. Hein. D'accord, bah c'est bien. Ils ont donc payé... j'ai cherché les 20 balles, moi. Non, non, ils ont payé, c'est très bien. Ils ont payé pour toute la rue. Ah non, non, ils ont pas payé pour vous. Ah bah bon, bah écoute, c'est les gendarmes qui ont payé. Les gendarmes, ils payent notre part. Ils payent. Ils ont payé pour toute la rue. Ils sont gentils, les gendarmes. Ouais, ça pas comme ah bah grave. Ça rend service. Bon, premier client, c'était Pierre et sa femme et les gendarmes. Ouais. Et on passe. Non, bah chez Jean-Pierre. Deuxième client, qui c'est? Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre après Pierre. Jean-Pierre. Attention. Oui. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre. Oui. Oui, bonjour, c'est la mairie à l'appareil. Service des éclairages de Noël. Oui. Oui, t'as vu. Vous avez vu un peu les guirlandes qu'on a mis? Ah non, pas encore. Ah ben, il faut aller faire un petit tour, hein. Oui. Parce que cette année, là, on a fait un truc, mais magnifique. Ah bon? Ah, magnifique. Bon, le problème, c'est que toutes les ampoules, tout ça, ça consomme, et vu que on est un peu juste niveau budget à la mairie. Ouais. Ouais, monsieur le maire, il boit beaucoup, alors on a tout passé dans le vin cette année. Il faudrait donner 20 euros pour les ampoules. Ah bon? Oui, donc je vais passer à la maison, là. D'accord. Voilà, donc tu prépares les 20 euros et puis ça sera bien fait. Non, je prépare un verre. Un verre aussi. Ah, j'en prendrai un. Prépare du vin chaud, tiens. Ah, bah, il faut le faire aussi, le vin chaud. Hein. Ouais, bah, tu le passes au micro-ondes, ça ira bien. Ah, bah, ouais, mais je peux. Ouais, vin chaud normal, c'est pas bon. Hein, ah. Il faut l'améliorer. Hein. Ah, ouais, bah, toi, t'as l'air d'être un connaisseur. On ira faire un tour dans ta cave. Ouais. On verra ce qu'il y a. Ouais. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes, moi. Hein? Je suis là dans 5 minutes. Non, mais c'est vrai. Ah, bah, oui. Bah, ah bah oui, c'est vrai. Attends, tu vois que je me lève aussitôt pour rien? Ouais, non, mais... Dans 5 minutes, je suis là, on va dans ta cave et tu me donneras 20 euros et puis une bouteille de vin. Ah, bah, y a pas de bouteille de vin dans la cave. Bah, elles sont toutes dans, au-dessus. Ah, bah, j'ai toutes bu. Ah, bah, tu as bu. T'as tout consommé. Non, mais il te restera bien à fond, on va se débrouiller, va. Ouais. Tu vas préparer surtout les 20 euros, de toute façon. Ok. Eh bah, tout de suite. Bisous. Non, mais c'est une blague ou... Ah non, pas du tout, j'arrive, là, je travaille à la mairie, là. Quelle mairie? Bah, la mairie du village. Ah bah ouais, mais le village il est grand, hein. Ah bah ouais, bah il est mais grand. Mais il n'y a qu'une mairie. Il n'y a qu'une mairie, hein. Je cherche pas. Tu vois trop toi, dis donc. Jean-Pierre. En fait, ils voient double. Putain, il y en a deux. Ils ont construit la même à côté, dis donc. Ouais. Bon bah à tout de suite. Oui. Sérieux, hein.
À tout de suite. Au revoir. Ouais. Merci, au revoir. Bah, de rien. Mais il t'attend. Et voilà. L'affaire est dans le sac. Et voilà, c'est géré. Il t'attend. On va avoir un canon avec lui. Jean-Pierre, tu siffles une bouteille de vinasse à 6h12. C'est quand même pas mal. Ah bah, c'est parfait, ça. Normal. Voilà. Et puis tu récupères un peu d'argent pour les éclairages de Noël. Vous avez des éclairages beaux chez vous ou c'est moche? Ah non, ça va. Ah ouais, ça va, c'est joli. C'est joli, vous êtes satisfait de vos éclairages? Ouais. Sur les champs, par contre, c'est très moche. Ah bah, ça fait, oui, ça fait 4 ans de suite. Mais c'est la même que la dernière. À 4 ans, carrément? Ah ouais, 3-4 ans, les anneaux, là. Ouais, les anneaux. Dites-nous comment c'est du côté de chez vous, si vous avez de beaux éclairages. Ah, à Bordeaux aussi, c'est très beau. Bah, tu vas filer 20 euros, toi, tiens. La dernière fois que Romano a ouvert un porte-monnaie, c'était il y a très longtemps. Et en plus, photo des Miss, c'est très agréable à regarder de bon matin. Ah, et j'ai la gagnante, Miss Orléanais, elle est là. Regardez là, hop là, regardez bien votre radio chez vous. Belle, ouh, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Ouais, moi, elle me fait penser à l'autre d'il y a 2-3 ans, Chloé Morteau. Ouais, c'est la même. C'est vrai, elle a un petit air, ouais. Eh ben écoute, voilà, dans, mieux qu'elle ressemble à Chloé Morteau qu'à Sophie Tellier. Hein, ouais. elle est dangereuse. C'est Sylvie Tellier. Sylvie, ah ouais. Oui, Sylvie. Ah, truc Tellier, donc. Ouais. Parce qu'elle, elle est dangereuse. Elle a réussi à se faire embaucher quand même comme patronne des Miss, c'est pas con. Non, non, non. La vieille à chapeau. Allez, pousse-toi Geneviève, je prends ta place. Ah. Bon, vous demandez pourquoi on parle des Miss ce matin. Eh bien, pour les conseils pas chers. C'est parti, tu nous expliques tout, Romano. Allez. C'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Alors, on regarde les Miss et on rit. Parce qu'il y en a certaines qui étaient, pas super. En tout cas, elle est mignonne. Ça va. Comment elle s'appelle déjà? Flora Cotterell. Voilà, Sauterelle. Flora Sauterelle, la Miss Orléans. Et comment vas-tu faire pour gagner des sous avec la Miss, Romano? Bah, je vais aller refourguer des photos dédicacées, là. Ah, je me disais, mais pourquoi on a toutes les photos ce matin? Ah, voilà, des photos dédicacées, bon, en particulier de Flora Machin, là. Voilà. De Miss Sauterelle. Flora Sauterelle, elle s'appelle. Voilà. Bravo, quelle bonne idée, dis donc. Allez, c'est parti. Allez, on va où, Orléans? On va chez Rémi. Ah, normalement, on va dans la zone. Ouais, on va à Orléans, c'est bien. C'est ça, on est dans le 45. Très bien. C'est la star du coin. Si vous nous écoutez à Orléans, vous avez notre nouvelle star. Miss Orléans. Ouais, bonjour. Oui. C'est Rémi. Oui. Oui, bonjour, c'est le comité Miss France à l'appareil. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous avez regardé l'élection samedi soir? Ah bah oui, un peu, oui. Ah oui, ouais, c'était chiant, hein. C'est long, hein. C'est long, hein. Ah, la soirée est longue, hein. Oh là, on se fait chier. Moi, le seul moment que j'ai supporté, c'est quand ils étaient en maillot de bain. Ouais, ouais, c'est clair. Ah ouais, sinon, c'est très. Caresser un peu la nouille à ce moment-là. Oui. Bon, dis voir, Rémi. Ouais. Ouais. Ça te dirait une petite photo dédicacée de la nouvelle Miss? Bah, ma foi, ouais. Ah, bah oui. Une petite photo dédicacée. Est-ce que je peux passer chez toi dans 10 minutes, un quart d'heure, là? Bah, je suis pas là. Ah, t'es où? Bah, y a peut-être ta bonne. Je pars au boulot, là. Ah, ouais, tu pars dans combien de temps? Bon, bah, je vais pas tarder. Bon, bah, écoute, ce que je fais, c'est dans même pas deux minutes, je suis là. Je sors de la Miss et j'arrive. Oh. À tout de suite. Et la photo, c'est 10 euros, c'est pas cher. Ouais, bah, voyons. Ouais, bah, voyons. Eh, bah, j'arrive alors. C'est pas tous les jours qu'on a une Miss à Orléans. Hein. Ah, bah, c'est clair, hein. C'est dans Orléans, bikini. Surtout à Orléans, ouais. Eh, peut-être. Pourquoi elles ont quoi, les filles d'Orléans? Elles sont toutes moches. Non, c'est parce qu'elle est pas d'Orléans. Elle est pas d'Orléans. D'accord. Bon. Elle est d'un côté, en fait. Non, elle n'est pas de chez nous. Laisse pas. En tout cas, t'auras une très belle photo. Bon, mais bah, c'est quoi ces conneries là? Non, non, mais j'arrive là, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Yeah, c'est Grèce Marie. Ouais. Bon, ben, c'est ton dernier mot. Eh ben, 10 euros. Eh ben, c'est 10 euros. Oh, bah, laissez peser, je suis là dans 2 minutes, la chérie. Ah, jugé vendu. À tout de suite, mon Rémi. Ouais. À tout de suite. Eh ben, voilà, ça fait plaisir. Et hop, 10 euros déjà. Voilà. 10 euros pour une photo imprimée sur ordi, franchement, ça va. C'est rentable. Je vais faire un gribouillon, de toute façon, personne ne sait comment elle signe. Gribouillon. Oui, mais tu l'as fait déjà. Gribouillon. Tu as signé. Allons, va chez Lionel. Flora Cotterell. Flora Sauterell. Côtelette, là. Lionel. Allez. Comment il s'appelle, lui? Lionel. Lionel. Allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Lionel. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? C'est le comité Miss France à l'appareil. Oui, et alors? Bah, vous avez regardé. Miss Orléanais, c'est elle, Miss France. Et oui, alors? Bah, vous bah, c'est super. Bah, attendez, vous reverrez peut-être jamais ça de votre vie, hein. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ce truc-là. Ah. À 7h du matin, vous êtes pas un peu dingue, non? Ah, t'es jalouse parce que. N'inquiétez pas une seconde. Mon mari, il arrive. Ah. T'es jalouse parce qu'elle est plus belle que toi. Oh, merde, on va demander à ton mari. Il m'appelle pour Miss France.
7h du matin. Non, c'est pas toi, Miss France. Hein. Non, ça c'est clair. Non, a priori, non, c'est pas elle, Miss France. Allô ? Allô ? Salut ! Lionel. Oui, Lionel, comment vas-tu ? Non, mais attends, je voudrais savoir qui m'appelle. Bah, c'est le comité Miss France, Jean-Pierre Foucault. Oui, sacrée soirée. Oui, bah, c'est des conneries. Bon, d'accord. Bah, pas du tout. Pas du tout. Non. Je vais t'appeler pour te refourguer une photo de Miss France, la nouvelle. Elle est Bon, mais écoutez-moi un petit instant. Oui, je vous écoute, Tom. Voilà. les plaisanteries, c'est bien. Mais malheureusement, moi, j'ai 80... Et à 80 ans, t'as aussi le droit de faire plaisir avec Miss France. Il y a pas de mal à se faire du bien. Une belle photo de Miss France, je te l'amène. J'ai pas que ça. Moi aussi, j'ai pas que ça. J'ai une jambe en moins, j'arrive pas à me déplacer. Je l'amène à domicile. Mon ami, tu sais, il a des cheveux en moins. Des plaisanteries, je les goûte pas beaucoup. Il faut rigoler quand même dans la vie. Ouais. Se détendre. D'ailleurs, je vais t'envoyer les photos des autres Miss qui n'ont pas été élues. Il y en a certaines. Rire, tu vas te marrer, tu vas voir. Tu vas te demander si c'est la tête ou si c'est le cul. Bon, on va te souhaiter une bonne journée. Au revoir. Comment il s'appelle ? Lionel. Salut Lionel. Bon, Lionel, on te souhaite une bonne journée. Et bisous à ta femme. Oh, mais il a raccroché. Ouais, il a raccroché parce que j'allais lui envoyer d'autres photos. C'est terrible. C'est ça. Bon, la Miss France. J'en ai quand même vendu une photo. Hein. Oui. Ah oui, c'est parti. C'est vrai. J'allais dire la Miss France n'a pas de succès, mais si que le succès. Ah bah si. Bah attends, 10 €. Bravo la Miss. Bim. Bon, 7h18 et dans un instant c'est Noël. Et oui, en décembre il y a la Miss France, mais en décembre il y a aussi Noël et on vous envoie vos cadeaux de Noël dans un instant. Juste après Rihanna. Elle aurait pu être Miss Monde, Rihanna. Ouais. Diamond in the Sky sur Skyrock. Romano, c'est tellement une pince qu'il est devenu chauve pour pas payer le shampoing. Ce matin, un conseil pas cher sexy, tenue sexy. C'est ça, exactement, pour vous les filles. Allez. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Et quelle est cette tenue dont tu nous as parlé, Romano? Une tenue sexy que tu vas vendre ce matin dans les conseils pas chers. Sachant que Cédric a déjà une partie du déguisement, les dents. Ah, j'ai trouvé. Ouais, moi aussi, c'est une tenue de lapin. Exactement. T'avais trouvé pareil, Karine? Ouais. On a tous trouvé, bien joué. Les lapins. Les tenues de lapin sexy. Il serait mignon, Cédric, dedans. Ça, je suis pas sûr. Alors, pourquoi... Chacun ses goûts. Hein. Pourquoi une tenue de lapin? Parce qu'il y a un sondage américain qui a été fait auprès des hommes. Et 21% des hommes se sentent excités à l'idée que leur partenaire se déguise en lapin. Mm-hmm. Ouais. Enfin, en lapine, plutôt. Ouais. Alors, il y a les petites oreilles. Ouais. Après, il y a la petite... genre comme un maillot de bain, une pièce, et il y a le petit pompon. C'est sexy, ça. Ça veut dire que 21% des Américains sont un peu zoophiles, quand même. C'est ça. Alors, ça craint un peu. Mais bon. Eh, Playboy, elles sont bien habillées en lapin, les filles. C'est vrai. C'est vrai. C'est plutôt sexy, hein. Alors, ce matin, direction les familles, et je vais leur refourguer un costume de lapine. Sexy, mais poilu, quand même, pour une fille. Ah ouais. C'est clair. Un costume de lapine. Et Cédric baisse comme un lapin 3 secondes. Je m'y attendais à celle-là. Ça y est. Allez, on va chez Jean-Paul. Jean-Paul. Allez, on va chez Jean-Paul. On va lui refiler les costumes de lapin. Hello. Allô, Jean-Paul ? Oui. Ouais, bonjour, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va bien. Ta femme, toujours pareil ? Une bonne bronchite, ouais. Eh merde, alors. Ah ouais, une bonne bronchite. Dis-moi, parce que j'ai son déguisement de lapine à lui amener, là. Un déguisement de lapin, pour elle, lapin sexy. Oh, pourquoi faire ? Bah, parce qu'elle voulait t'exciter. Elle me disait que, elle avait plus trop envie, toi non plus. C'était pour relancer la machine, comme on dit, quoi. Je lui amène son petit déguisement. Bah, si tu veux. Bah, t'en veux un pour toi ou pas ? Non. Tiens, elle sera belle, habillée en lapine, elle a les oreilles de lapin sur la tête. Le petit costume, elle va être magnifique. Hein. Tu l'auras jamais vu autant poilu. Quoique, on sait pas. Bon, ce que je fais, c'est que je suis là dans 10 minutes, là. Vas-y, si tu veux. Ouais, tu me donneras un café. Ouais, un petit café, puis tu me donneras 20 € pour le costume quand même. Bon. T'avais pas dit ça. J'arrive, mon Jean-Paul. Ouais. À tout de suite. 20 €, c'est pas cher. Salut Jean-Paul. Je pense que c'est cette connerie du monde derrière. Jean-Paul, il est pas tout seul non plus. Il a vu l'apéro, je crois déjà. Il est pas très frais. Ouais. T'as 8h15, il a pris l'apéro, Jean-Paul. Fabrice. Ouais, Fabrice. Ouais, bien joué, Romano. 20 €. Oui, allô. Oui, bonjour, c'est la femme à Fabrice. Oui. Oui, bonjour, c'est le livreur à l'appareil. J'ai un petit colis à t'amener ce matin. Oui. C'est ton costume de lapin sexy. C'est pour exciter Fabrice.
Fabrice Lefebvre. Exactement. Exactement. Fabrice Lelièvre. C'est exactement pour lui. Toi, tu vas, a priori, tu vas te déguiser en lapine. Vous avez fini vos conneries, là. A priori, il t'avait pas prévenu. Ah bah ouais, parce qu'il m'a dit, j'ai plus trop envie d'elle, j'aimerais qu'elle se l'habille en lapin. On répond parce qu'il y a des branleurs au téléphone. Ah, il est là. Ah bah c'est bien, faut nous passer. Il est là, bah allô, passe-nous. Allô, comment tu vas? C'est qui? Bah, c'est un copain de ta femme. Je vais lui amener son petit costume de lapine sexy. Les petites oreilles sur la tête, le petit costume avec les poils et tout. Elle va être mignonne comme tout. Et la petite queue sur le derrière. Ah bah, la petite queue, la petite boule. Un pompon, là. Donc, qui est là au téléphone? Ça. Bah, c'est un copain à elle. Et en fait, elle m'a demandé de lui amener un déguisement de lapin sexy. Ouais. Elle voulait défiler un petit peu devant moi. Et c'était aussi pour te faire plaisir à toi. Sûr. Donc là, c'était pour vous dire que j'arrivais dans 5 minutes. On va pas se faire foutre, on va se faire foutre, moi je suis à faire. Comment ouais. Tu parles à qui là? Ouh, il t'a mal parlé. Ouh, qu'il a raccroché. Parle pas, je vais m'embrouiller moi. Il a mal parlé, il a raccroché. Bah vas-y, je te le rappelle. Vas-y, rappelle-le un petit coup. Hein. Bon. Allez. Allô? Il a. Allô? Fabrice? Vous avez fini vos conneries? Ah bah non. Ah bah tu vas te déguiser en lapine avec. Comment vous avez eu notre numéro? Alors il y a un truc qui s'appelle un truc de dingue, c'est internet. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Tu vois le. Et vous êtes qui vous? Le Minitel. Pour vous permettre d'emmerder le monde comme ça? Ouais, ça, bah moi en fait je suis le livreur de lapin. Vous n'avez rien d'autre à foutre? Vous pouvez pas aller bosser plutôt qu'emmerder le monde? Ah bah si, je vais vous prendre 20€ pour le costume de lapin et la carotte dans le cul. Ah il bosse pas pour rien. Ouais, t'en foutu une dans ton cul. Ah bah voilà, bah si tu veux. Il y a un supplément après. Ouais. Bon. C'est bon, ta femme prend la carotte dans le cul, elle a pris l'option. Hein. Donc c'est enregistré sur la commande. Tête de con, bah, t'es qui toi? T'es qui? Bah, tu veux peut-être que je vienne directement là. T'es qui? Bah, ah, t'as peur, hein. Je suis Monsieur Lapin. Et je vais livrer le costume. Ouais, bah tu fais ce que tu veux. Hein. Et la carotte dans le cul de ta femme. Ah bah ouais. Oh. On y arrive, voilà. Et la carotte, on le fait gratuit parce que c'est. Ouais, parce que c'est Noël. Cadeau, allez. C'est bientôt Noël. T'as affaire, tant mieux pour toi, quoi. Ah, attends, va te faire foutre, connard. Toi aussi, tu veux une carotte. Je sens que t'es jaloux, toi. Ah, mais il est reparti. Ah, ouais, c'est ça. C'est marrant, à chaque fois qu'il dit va te faire foutre, hé, connard, le mec raccroche juste derrière. Ouais, mais c'est ça, mais c'est la carotte. Ah, c'est la carotte. Il en veut une aussi. Et ben voilà, la tenue de lapin excite les Américains. Bientôt en France et déjà sur Skyrock ce matin. Oui. Skyrock.